Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Donkey Kong 64. On se retrouve là, on s'est laissé, on est toujours dans ce champignon géant du cinquième monde. Et on va changer de singe, puisqu'on avait récupéré déjà une première... La première de Tiny ou c'était la deuxième, je ne sais plus. Mais en tout cas, on avait déjà récupéré la première qui était débloquée par une plaque comme celle-ci. Alors... Allez, là-haut, cette banane. Mince. Ah! Voyons voir. Tac, je monte là. C'est pas dit que ce soit au-dessus en fait. Peut-être utiliser le canon. On va essayer ça. Oui, ça me semble d'être tout en haut en fait. Et pas là où j'essayais d'aller. Bon, on récupère déjà les bananes de Donkey Kong, c'est déjà bien. Et en fait, on a taillé directement sur la banane. Et oui, c'était la première de Tiny. En l'occurrence, on a la réponse. Ok. Alors je vois un ballon, mais c'est pour Lanky ce ballon. C'est pas grave hein, si on s'écrase. Voilà, c'est pour descendre plus vite. Puisqu'on va changer de singe. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ce sont des bananes intéressantes pour Chunky. Ils sont un peu par ici. Alors, de l'autre côté, on voit qu'il n'y a que des munitions. Ok. Donc pour l'instant, on est bien. Non, si je reste là, ça va. Ça va, on est dessus. Voilà, 40, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir par ici? Ici, il n'y a rien. On avait récupéré une banane, ok. On peut... remettre la caméra derrière. Non, mince. Oui, forcément, il y a un trou pour laisser passer l'échelle. Voilà, on récupère là. Alors, soit on peut prendre le canon, évidemment, il y a pas mal de choses à faire encore, ou alors on peut passer par cette sortie déjà, et voir où elle mène. Ok, sur un étage où il y a des bananes à récupérer avec Donkey Kong, il y a pas mal de choses à récupérer avec Donkey Kong. Ok, ici... Ah, on voit qu'ici il y a des choses à faire. Il y a un petit champignon sur lequel on peut rebondir et faire des choses avec Didi. Et on a la possibilité ici de changer de singe. Donc, on va le faire tout de suite. On va récupérer Donkey Kong. Donc, lequel on va déjà récupérer tout ce qu'il doit récupérer. Pour le coup, lui aussi va plutôt bien avancer. Ah bah là, là on voit qu'il y a des choses pour Tiny. Ok, 55 bananes, on est déjà pas trop mal ici.
Autre chose pour Tiny, ok. Ok, donc là on a une petite zone Tiny qui peut être très intéressante. Une fois qu'on en aura terminé avec Donkey Kong par ici. Regarde, hein, s'ils n'auraient pas planqué des petites bananes un peu furtives derrière des échelles, ça peut toujours être intéressant. Et on est parti pour les fameux tonneaux. Ok, on a eu les bananes. Pour l'instant, tout se passe bien. Ok. Fallait bien sûr que je l'ouvre et qu'elle s'asseoir. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a récupéré les régiments de bananes sur le chemin, donc là, on peut vraiment juste s'occuper de bien viser les tonneaux. Voilà. Alors, la banane en or, c'est bon. Ah non, maintenant il faut faire ça, ok. Flinguer les claptrap pour faire passer la fée. Pour tirer une pastèque. Pas grave. Et merde. Allez, la dernière là. C'est bon. J'ai un peu paniqué sur la fin. C'est n'importe quoi. Une banane. Ah, ok. J'ai cru qu'il allait me griller la banane. Mais je me demande s'il n'y a pas quand même des choses à choper en passant dans les cercles ou en utilisant d'autres tonneaux. Donc dans le doute, on repart pour un tour. Au moins déjà la banane elle est récupérée, c'est déjà ça. Ça c'est déjà bon. C'est déjà fait. Il semble qu'à un moment il y avait plusieurs choix de... Il y a celui-là. Ah, celui-là je l'ai pas pris par exemple. Ah non, il te fait faire un retour, d'accord. Du coup, la question c'est si j'arrive à bien viser le cercle, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe?
Ouais, ça a pas l'air. Ça a pas l'air, bon. On va laisser de côté, au pire on y reviendra s'il nous manque des choses. Hop, ça c'est fait. Donc on va tout de suite passer avec Tini. Que elle, on sait qu'il y a des choses pour elle par là. Alors, des pièces et surtout lui. Voilà. Il lâche le plan, on est content. Alors, je sais plus si on a déjà vu Snide et si on sait où il est du coup. Donc ça je m'en rappelle plus. Ok, à peu près par ici. Plus bas. Ok, c'est bon. 67 déjà. En termes de banane normale, ça va, on avance plutôt vite. Ok, cet étage est nettoyé, celui-ci aussi. La question c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus et pour quel singe? Autre entrée dans le champignon, peut-être plus haut du coup. Ouais. Donc on voit qu'il y a le Kremlin de Didi. On voit qu'il y a des choses pour Didi ici. Ok, c'est le premier étage des lianes. Donc beaucoup de choses pour Didi et pour Chunky. Donc on va commencer par prendre Didi. Afin de nettoyer. De nettoyer l'étage et puis après on prendra Chunky pour monter puisque lui il a l'air d'avoir à chaque fois des bananes sur les échelles et un petit peu sur le chemin. Ce qui... Ah. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ce qui nous permettra donc de voir un petit peu la suite. Donc toujours dans cette optique de faire beaucoup d'allers-retours, mais qui nous permettent d'être méthodiques. On essaie de moins oublier de choses possibles pour que ce soit moins galère quand il faudra un petit peu récupérer les derniers objets qui nous manquent ou ce genre de choses. Ok. Bon, on a récupéré le plan, quelques petites bananes. L'important, c'est évidemment le plan, même si les bananes comptent. Hop là. À ton tour, Chunky. On voit qu'il y a d'autres plateformes en hauteur. Donc on aura un autre échelon, un autre palier à atteindre. Alors je vais essayer de pas trop récupérer les cristaux. J'avais pas vu le trou. Est-ce que vous êtes... petit fourbe? Non. Si! Côté les bananes ou... Ouais, ils les ont mis de ce côté, donc c'est pas... Alors, gros bug graphique en l'occurrence. Attention, petits trous qui peuvent... Ah, on voit... Non, c'est une grille qui est fermée, ok. J'allais dire on voit un bouton, mais non. C'est une grille fermée avec toujours ce symbole de la lune, donc on pourra changer la période du jour et de la nuit. Mais en tout cas, pour le moment, on ne sait pas comment on fait ça. Alors.
Toi, t'es ici. Bon. Grand bien te fasse, mais. Ah non, tu gardes rien de particulier. En tout cas, rien qui puisse présenter un quelconque intérêt là tout de suite. Bon, bah, nous, on continue avec Chunky à récupérer les petites bananes par-ci par-là. Tac, on continue de monter. Donc, bien sûr, hein, le raccourci étant le canon. Mais en l'occurrence, là, tout de suite, voilà, on a tout ça à récupérer. Intéressant. Donc là, le canon nous permet, en fait, d'arriver ici très vite. Ce qui nous a permis de récupérer la banane pour Donkey Kong. Et on n'oublie pas que Lanky... il peut se faire plaisir. Ben, plaisir, t'as bien un grand mot, mais ouais, on peut récupérer ça. Allez, on t'a pas encore trop vu aujourd'hui, Lanky. On va sortir avec toi. Peut-être que tu as des choses à faire à l'extérieur. Alors, des bananes pour Donkey Kong, des bananes pour Diddy. Ça, on va récupérer, c'est toujours bien. Ben, on va changer du coup. Au revoir, Lanky. Donkey Kong. Peut-être que Lanky, lui, peut monter, par contre, avec sa capacité... à se mettre sur les mains. Il peut monter les pentes. Donc peut-être que lui, il peut grimper tout en haut et voir quelque chose d'intéressant. Ah, là aussi, il y a un truc. Non, on peut rien faire, ok. C'est pas grave. Hop. On récupère Diddy et... pareil, on fait le tour. Ah, Chunky, là, il a un truc à faire. Ok. Ah, d'accord, il y a deux tonneaux. Deux tonneaux différents, d'accord. On va arriver tranquillement à la moitié des bananes. Ouais, on a plein de portes qui sont fermées. Ok. Donc on va récupérer Chunky, on va aller faire ce que lui il peut faire, et après on testera avec Lanky. Hop. Il s'ouvre une porte qui va certainement le mener vers une petite épreuve. Et 75, c'est atteint. Alors toi, déjà, on va s'arrêter tout de suite. On prépare là, je dirais. Voilà, 85, on est content. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Faire Chunky. Mais j'ai pas... je vous avoue que j'ai pas bien regardé. J'ai pas bien regardé à quoi il ressemblait. Bah, je crois que c'était Chunky qu'il fallait refaire. Bon, c'est pas grave. On va attendre et on va relancer. Non, c'est juste une lumière qui se balance.
Merde. Ah bah je l'ai sous mes yeux, Chunky. Ok, donc il a le grand sourire. Est-ce qu'il est comme ça? Non, c'est pas ça. Ah! Je me trompe dans les touches. Ouais, ça c'est pas mal. Mais non, mais... Oh là là là. Comment perdre du temps? Ok, le sourire doit être à la deuxième case. Ok, là c'est pas mal. Ça c'est bien. Ça c'est ok. Ah oui. Ah ça c'était bien. Ça c'est ok. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus. Y'a vraiment pas de raison. Ok, ça c'est fait, c'est récupéré. Troisième banane d'or pour Chunky. Pour l'instant, ça va plutôt vite pour lui. On a déjà récupéré les 75 bananes de la médaille. Oula, attention. Il y avait une chute là. Alors. Testons mon idée. Juste récupérer ça au passage. Voilà, c'est bien pratique pour les ennemis. Eh oui, il y a des choses pour lui là. Alors attends-toi. C'est ça. Alors. Ok, on ouvre une porte sur le côté. On ouvre deux portes sur le côté. Allons-y par celle-ci. Alors, l'énigme. Donc, Donkey, Didi. J'imagine que. Chacun a sa couleur, hein. Tini... Je dirais que c'est celui-là. Hop. Oui, Chunky, c'est le vert. Et... Ah, c'est plus que le bleu de Lanky. Et nous, la banane, j'imagine. Exactement. Alors, le tonneau qui va nous permettre d'avoir la banane. Donc, deux épreuves à faire. Canardo Kong. Tirer sur la banane d'or, éviter les gentils Kong.
Ah mais ça va super vite en fait. Ok. On avait dit qu'il y avait un jeu où il fallait jouer avec la... Ok. Bon bah on va laisser passer le truc. Donc on m'avait dit en commentaire qu'il y avait un jeu qui devenait extrêmement compliqué sur le monde 5. Et il fallait jouer avec la pause. Il y a une petite ruche avec la pause à faire. Et je crois que c'est celui-ci du coup. Parce que c'est super super rapide. Autant le premier, ça va. Donc tu te dis, ouais, c'est bon, c'est tranquille. Mais pas du tout. Il faut... Ok. J'en ai pas sûr. C'est bon. Ouh, c'est chaud, hein. Heureusement qu'on m'a dit qu'il y a une astuce avec la pause, hein, parce que là j'aurais passé longtemps dessus. Hein. Ok, Lanky qui récupère sa première banane d'or. Ça fait plaisir. Alors, ça c'était... un premier... Moi, ma logique veut qu'il soit juste en face. Voilà. Donc une deuxième à récupérer. Ici, j'imagine. On va se mettre bien, tranquille. Voilà. Oh, mais je suis dessus. Voilà, c'est bon. Et rien de plus. Bon, on a récupéré des choses intéressantes. Cela dit. Ok. Donc tout ça c'est fait. Tout ça on est content. On pourrait retourner, mais on a tout fini. En ce moment on a tout fait pour le moment. Dans ce champignon, pour l'instant il n'y a plus rien. On a vu qu'il y avait des choses à faire en bas par contre avec Didi. Toi. Ok,
Ok, donc il y avait Cranky qui était par là, et je crois que c'est le champignon qui est ici. Oui, c'est un fou. Par toi. Ok. Alors, je vois des choses ici, mais malheureusement, on ne pourra pas rien faire parce qu'il faut. Ah, d'accord. 10, c'est pour aller récupérer 7 bananes. Mais là, il faut qu'on trouve comment changer l'heure. Tourne tortue, c'est quoi déjà? Faites tourner les tortues en donnant des pastèques aux serpents. Mais non, mais... Ah, je le visais pas, en fait, je bougeais trop vite. Ok, c'est pas grave. On recommence. On recommence. C'est bien chaud. Voilà. Faut bien suivre son ordre. Et ça passe, mais ça devient chaud après. Ok. Première banane pour lui. Et pour l'instant ici on a tout fait. En tout cas pour le moment je ne vois rien d'autre. C'est lequel le chemin? Que celui-ci nous ramène au hub. Oui. Donc ça, on est sur la zone centrale. Et par contre, je crois pas qu'on a été voir de ce côté. Mais avoir un truc à faire en fait. Ouais. Il faut l'Anki. Donc sur ma droite, tiens. Ouais, c'est ça. Hop. Non mais... Ça par contre ça va être chiant. En fait t'essayes de viser au-dessus pour passer... passer la barrière physique et je te dis non, tu tires avec des munitions à tête chercheuse et donc du coup elle va aller tout droit. Allez, les bananes c'est bon pour l'Anki, bah en tout cas c'est bon pour la médaille. Après, il faut quand même atteindre les 100.
pas mal de bananes. Ça c'est cool. On va récupérer ces cristaux qu'on a consommés. Rien du tout ici. Alors qu'est-ce qu'il nous vaut l'arbre mojo là? Téléportation 4, ça c'est cool. Toi, on va te taper. Ça, on récupère encore un autre plan. Ce niveau quand même, on récupère pas mal de choses. Alors, je vois qu'il y a des bananes rouges. Ça intéressera Didi, tout cela. Je vois plein de bananes. Une banane bleue par ici. Bon, pas grand chose, hein, on aura presque fini. Et on peut activer quelque chose ici. Hey, Lanky, on dit que t'es rapide. Ça te dit une bonne course sur mon joli parcours. Le premier de retour ici. Gagne le trophée. Ok. On laisse un lapin. Ok. Forcément le chemin en tête, moi. Non, ça c'était nul. Ok. De l'autre côté. Oh, c'est vous. Et ici. Et le Mickey. Pas grand chose. Ouais, on recommence. Vas-y. Si je me trompe pas de chemin, ça le fait. Bon, déjà, il commence pas sur la ligne de départ. Donc, bon, ça triche. Ah ouais, bah dis-moi, come on. Sans celui qui est devant, c'est moi. Ok, ça c'est bon. Là, tac. Tac, c'est par là-bas. Là, on va faire le tour de l'arbre. La souche plutôt. Ok. Sur la gauche. Ici. Tac. Tac. Voilà. Je te trace, moi. Une fois que t'as arrêté de tricher en connaissant le parcours avant moi, c'est bon. Pas mal pour un singe. J'étais pas à fond, ça compte pas. Attends que je reprenne mon souffle. On se verra plus tard pour la grande course. Voilà un prix de consolation. Attends. Il se fout de moi là. La banane. Debout là. Cette fois-ci, je rigole plus. Mince, j'ai pas eu le temps de dire.
Il va être plus rapide. Ah oui, d'accord. Non mais le mec... non mais moi je demande le dopage, la commission. C'est juste pas possible. Mais non mais il est déjà là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En train de me faire laminer Oui, bah oui. Cette fois-ci, je rigole plus, Lanky, si elle se joue en deux points, ok? Non, je peux pas. Hein. J'ai essayé de prendre le tonneau en mode... je triche, mais... qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que le tonneau, il est vraiment pour la course? Ça se trouve, pas du tout. Déjà là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, attends. Attends. Si je veux pas réessayer. Est-ce que le tonneau il est déjà là ou... oui, le tonneau est déjà là, donc ça n'a rien à voir avec la course. Pourquoi je peux pas prendre ce tonneau? C'est quoi le problème? J'ai des cristaux et tout, donc je comprends pas. C'est vraiment pour la course? Peut-être. Attends, vas-y, vas-y. Oui, c'est bon, c'est bon. Je connais le chemin. Alors, je vois pas de... en quoi ça va m'aider de flotter, mais... non, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas tricher. Non. Est-ce que. Est-ce que. Là, on est d'accord que Cranky nous a donné à tous la capacité. La capacité de. D'appuyer sur l'interrupteur bleu. Mais est-ce qu'il peut pas nous donner de nouvelles compétences quand même? Parce que là j'ai l'impression que ce tonneau, je devrais le prendre pour pouvoir faire la course. Mais que j'ai pas la possibilité de le faire parce que je n'ai pas la capacité. Potion. C'est embêtant. C'est embêtant, tout cela. Bon.
Écoutez, on va le laisser de côté. De toute façon, on est à 45 minutes d'épisode, donc on va pas non plus faire grand chose pour la fin. Donc on va continuer tout simplement de d'explorer les lieux et puis on y reviendra plus tard. Peut-être qu'on trouvera quelque chose qui permet de débloquer. D'accord, c'est la tête de l'Anki qui est sur le tonneau, non? Bah, le tonneau est plus là, donc ça fait vraiment tonneau de la course. Mais je peux pas le prendre en y allant dessus. C'est un peu étrange quand même. Qu'est-ce qu'on a là? On a une guitare. Une guitare, c'est pour... C'est pour Didi. On va faire ça. On a vu qu'il y avait aussi des choses pour Tini. Et ici, c'est pour qui? Bon, on va déjà s'occuper de Didi. Ah bah. Petite médaille, ça fait plaisir. Ouais, on a quand même bien avancé aujourd'hui, donc plutôt satisfait de ce qu'on a déjà fait. C'est par la suite que ça va être un peu plus compliqué. Le prochain épisode, je pense, on va arriver sur un moment où il va falloir trouver un truc pour se débloquer. Oui. Ok. Donc rien à faire là. En tout cas pour le moment ça ne fait rien. J'imagine que c'est... Déjà là il y a... un régiment de bananes. Oh, vas-y. On a vu une plateforme. Allez se poser sur cette plateforme. N'ouvre rien. Ben, la porte est fermée. Et là, c'est encore un truc avec la nuit. Ah. Bon. Bon, ben, on va terminer l'épisode avec Tini, et puis... Alors, on sait déjà que là où il y a l'espèce de moulin, avec la roue hydraulique et tout ça, il y aura un truc à faire avec, avec Didi, pour pouvoir appuyer au niveau du toit. Sur un bouton bleu qu'on ne pouvait pas faire au moment où on l'avait exploré. Alors, je peux devenir petite ici, mais pareil, encore une fois, ça me pose la question de... Pourquoi? Il n'y a clairement pas de trou dans cette structure. Est-ce que le fait de jouer du trombone va créer un trou? Pas du trombone, du saxo. Tu me prends pour quoi? Un aigle? Tu pèses trop lourd pour moi. Ok. Si ce n'est que ça. Allez, viens me chercher. Ne
truc, c'est que la plateforme, ça n'a pas déclenché un timer. Donc si on... s'il y avait un timer, je me serais dit, bon bah oui, je fonce avec... avec le... Ah, comment ça s'appelle? Avec le jetpack. Triple shot. Quel con. Ah, ça m'a... Ok, ça m'a one shot. Eh bah écoutez, on va s'arrêter là du coup. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis moi je vous retrouverai sur ce petit jeu quand on recommencera du coup. Voilà. M'attendez pas à me faire one-shotter comme ça. Je dois bien vous l'avouer. Je pensais que ça me remettrait et que ça remettrait les ennemis, mais non. Retour au début. Tant pis. Tant pis. On y retournera assez facilement, ne vous inquiétez pas. Du coup, sur ce, je vous laisse ici. On a bien avancé malgré tout. Regarde quand même si... Mais il est où l'autre bouton? Il est là. Est-ce que... Tout simplement tirer dessus. Ouais, ok. Tout simplement c'est ça qui fait que ça change, ok. C'est pas une compétence. C'est juste de tirer dessus. Ok, bon bah c'est bon, on sera pas bloqué la prochaine fois. Donc du coup, prochain épisode, je vous reprendrai directement en étant petit et en étant dans la souche d'arbre, comme ça on va récupérer la banane d'or, hein. J'imagine que c'est une banane si on tue les 4 crocodiles. On retournera au moulin pour faire l'élément qui nous manque avec Didi. Et puis après, on reviendra ici pour mettre la nuit. Et puis on découvrira de nouvelles opportunités dans les zones avec ce passage du temps qui va certainement changer pas mal de choses. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. On a plutôt bien avancé. On a quand même récupéré des choses, hein. On n'a pas rien fait, hein. On voit que là déjà, Tini, bon, on va avoir sa deuxième banane d'or, mais on a déjà son plan, et on a 80 bananes, ce qui est pas mal. Chunky, lui, il est pas mal avancé, il lui manque son plan, 2 bananes d'or et 15 bananes normales. Donkey Kong, il manque 30 bananes normales, 3 bananes d'or et son plan. Didi, il lui manque juste 20 bananes. Et 4 bananes d'or. Et Lanky, lui, il lui manque 10 bananes normales et 3 bananes d'or. Donc, on est quand même plutôt pas mal avancé. On n'a pas trouvé l'arène encore pour l'instant. Et on n'a pas trouvé les 2 fées. Donc, il nous reste pas mal de choses à faire quand même. Je pense pas que le prochain épisode sera le dernier. Mais peut-être qu'en 2 épisodes, 2 ou 3, on devrait réussir à terminer ce niveau. Et puis passer à la suite, hein, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.